Je m'appelle Corentin Carpelli, j'ai 16 ans et je suis arbitre national. Je suis ici pour arbitrer les championnats de France seniors. Je vais avoir 11 ans et en fait j'arbitrais sur des tournois. Ça me plaisait de voir des grands joueurs jouer. Du coup après j'ai continué dans l'arbitrage. Nous avons 200 arbitres nationaux en France et nous avons besoin pour cette compétition de prestige de 14 arbitres nationaux que nous sélectionnons. Ce groupe est complété par 14 arbitres locaux. C'est la première fois que j'arbitre des championnats de France seniors, mais après cette année, j'ai fait quasiment tous les championnats de France, en jeune comme par équipe. Ce que j'aime bien, c'est que je peux aller dans toute la France pour aller arbitrer. Plus, vu que mes parents ils sont aussi dans l'arbitrage, du coup, on part tous ensemble sur des compétitions. Dans nos arbitres nationaux, nous essayons de repérer le potentiel chez les plus jeunes de préférence, mais pas seulement, pour les amener au niveau international. Corentin, qui est notre plus jeune arbitre national ici présent, qui est quand même notre espoir au niveau France, au niveau de l'arbitrage. Ici, c'est la chambre d'appel. Du coup, en fait, ici, on va contrôler tout ce qui est raquettes. Déjà, on vérifie qu'elles soient sur la liste, parce que tous les revêtements, ils doivent être homologués. Une fois qu'on a vérifié qu'ils sont sur les listes, on contrôle l'épaisseur. Il ne faut pas que ça dépasse 4 mm. Et après, on contrôle si la raquette elle est plate. Contrôler que les joueurs aient les bons t-shirts. Une fois qu'on est prêt, les joueurs choisissent les balles. Il y a 4 balles. Et on commence à aller vers la salle pour aller faire le match. En fait, il y a l'arbitre principal. C'est celui qui n'aura pas le marqueur devant lui. Il va vérifier, il va donner les points. C'est lui qui aura toute la gestuelle. Alors que l'autre arbitre, il va s'occuper de tout ce qui est contrôle de l'air de jeu, qu'il n'y ait rien qui traîne. Le filet, la table. Et après, c'est lui qui va marquer les points sur le marqueur. En France, on a toujours été bien représentés. Et là, on compte maintenant sur la relève de nos jeunes pour représenter dignement la France sur tout le territoire mondial.